Le Salon de l'Habitat et de la Décoration de Metz ouvrira ses portes du 21 au 24 mars 2014 au Parc des Expos de Metz. Alors, qu'est-ce qui est attendu et qu'est-ce qui sera présenté au sein de ce salon ? Alors, nous avons déjà notre offre de 250 à 300 exposants, donc qui sont dans tous les domaines de l'habitat. Donc, ça va de la construction, promotion de terrain, achat de terrain, jusqu'à la rénovation, amélioration de son habitat, en passant par la décoration. Donc, on a un espace bois, un espace métier d'art, on a un espace jardin, on a vraiment tout type de produits. Donc, toute personne peut être concernée par ce salon, en fait. Tout visiteur peut venir et trouver quelque chose, que ce soit dans de la location, dans du neuf, dans de la rénovation, dans de l'ancien, dans du moderne, dans tout. Alors combien d'exposants et sur quelle surface ? Alors nous attendons 250 exposants sur 17 000 mètres carrés. Donc cela prend nos trois halls, le hall A, le hall B, le hall C. Alors quelles sont les nouveautés par rapport à 2013 ? Alors nous avons déjà les produits des exposants, donc certains proposent effectivement leurs nouveautés ou leurs nouveaux produits, donc ça c'est l'offre de base. Après également nous avons changé le cheminement dans le hall A, nous mettons en avant cette année donc cette nouvelle implantation et nous développons la partie décoration dans le hall C, donc avec un projet mis en œuvre par les exposants, donc pour les visiteurs, donc avec l'implication de nos exposants, l'artisanat d'art et des métiers d'art et de la décoration, qui aménage la Mésart. Donc c'est un nouveau concept de maison un peu atypique à venir découvrir. Des conférences ou... Nous avons effectivement tout un cycle de conférences, 5 à 6 conférences par jour, tous les jours, donc qui permettent de traiter aussi bien du choix de l'architecte, de comment décorer avec des décoratrices d'intérieur, en passant par le traitement de l'humidité, mais également l'option gaz et différents types de conférences. Donc un programme riche et varié et tous les jours, qui permet comme ça aux visiteurs de pouvoir venir et revenir ou de choisir le jour qui leur convient le mieux. Alors, possibilité d'achat des billets et de la billetterie sur Internet. Oui, donc ça c'est effectivement quelque chose d'intéressant pour notre visitorat, parce que en effet le visiteur peut acheter nos billets sur Internet et ceux qui achètent leurs billets sur Internet bénéficieront d'une offre intéressante, c'est-à-dire qu'ils auront un abonnement d'un an à 4 magazines numériques. Et le site internet, on peut peut-être rappeler ? Notre site, c'est donc www.metz-expo.com.